c'est physique quand même. Il fait chaud, il fait lourd, donc c'est un peu compliqué. Mais après, franchement, dans l'intensité, les prépas et tout, ils règlent ça nickel. Il n'y a pas de problème, mais on bosse dur quand même. Et puis après, on est pas mal de jeunes aussi à être intégrés et on se régale, quoi. Là, c'est dur, mais ça prépare la saison, quoi. Tu sens que c'est un cran au-dessus et que voilà, et les intensités sont plus hautes, on t'en demande plus. Et c'est ça qui est bien, c'est comme ça que tu progresses et c'est plaisant de pouvoir s'entraîner avec eux parce que tu les regardes depuis que t'es gamin, tu regardes les pros s'entraîner et du coup, c'est vachement plaisant de s'entraîner avec eux. Ben ouais, moi je trouve que ça fait un truc particulier. Après, je suis pas parti, du coup je peux pas te dire comment ça se passe dans les autres clubs si j'étais loin. Mais vu que je suis proche et que voilà, j'ai jamais quitté ce cocon, le bassin Tarné, Castré, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de pouvoir s'entraîner avec les mecs tout petits, tu les regardes, tu vas à tous les matchs, au stade et tout, tu te régales. Et pouvoir rester ici, là, ça fait 10 ans que je suis au CO. Et ouais, t'es content, quoi, c'est un rêve de gosse, quoi. Parce qu'on est 12 jeunes là, ils sont toujours en train de nous encourager, toujours en train de nous montrer ce qu'il faut faire pour progresser, tout ça, toujours positif. Et ça nous fait progresser inconsciemment. Après, tu as des leaders de groupe, tu as des leaders dans le vestiaire et tout. C'est des mecs qui te foutent la banane dès le matin à 8h. Et franchement, c'est plaisant. Puis après, ils t'encouragent, ils t'aident et puis tu apprends. Inconsciemment, tu regardes un peu comment ils font et tu apprends un peu plus aussi. Donc l'intégration, elle se fait très très bien parce que le groupe est super sympa avec nous. Tant que tu joues, tu te régales, c'est le plus important. La base de ce sport, c'est prendre du plaisir. Donc pour prendre du plaisir, il faut jouer. Donc après, peu importe le niveau, que ça soit esport ou pro, après, voilà, c'est un rêve de jouer en pro, donc franchement, ça me ferait plaisir. Mais voilà, après, c'est avant tout jouer, quoi.